Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Un tiers du pays se trouve glacé, blanchi sous la neige. La circulation est extrêmement perturbée. Les bouchons se sont accumulés en fin de journée et ont battu un record avec plus de 700 km de ralentissement cumulés et notamment une grosse pagaille ce soir sur la Nationale 118. Check les tires qu'il y a sur sa BM. C'est slick. Les policiers sont en train d'intervenir pour essayer de dégager cet axe extrêmement fréquent. C'est toi qui es en plein milieu de l'autoroute qui bloque le chemin. C'est une situation qui risque évidemment de se prolonger car vous le voyez, il neige toujours ce soir. Regarde dans sa vitre, là. C'est même pas du verglas, c'est juste. C'est juste la neige. Merci, Anne-Claire. La circulation de tous les bus a été interrompue ce soir en banlieue parisienne. Ben. Les tramways ont également été neutralisés. Hey, c'est pas des jokes, on voit encore les tracks. Avec Stéphanie Pérez, Olivier Poncet. Oh, ils ont de la neige dans le nez, eux autres. 736 km de bouchons à 10. Ils sont sur l'asphalte. Puis ils capotent. Ce n'est certainement pas terminé. Sur ces images, la circulation a ralenti dans différents points de Paris. Sous la neige et sur des chaussées vert glacées, le retour à la maison est très compliqué. Salage sur le périphérique parisien, accès aux aéroports très difficile. Sur les pistes, la fine pellicule de neige. Il déneige quoi? Les chasse-neige ont de la poussière. Retard de 30 minutes en moyenne en raison du dégivrage des avions à Orly. Oh oui, les avions, je peux bien craire là. Pour forcer et direction les aires de stockage qui sont mises en place. La circulation des poids lourds est interdite jusqu'à nouvel ordre sur plusieurs branches parisiennes et du centre. Ici, sur l'autoroute A10, en Eure-et-Loire, 250 camions pourront passer la nuit. Oh, je venais d'Orléans, j'ai chargé Orléans et je montais à Lens. Donc j'avais rendez-vous demain matin à 6h, mais j'y serai pas, quoi. On est bloqué ici jusqu'à je sais pas quand. Et puis, pas de transport scolaire dans une vingtaine. Va bien capoter quand tu débarques ici.